Plouf. De Philippe Corentin. Voilà, c'est l'histoire d'un loup qui est très fin, mais alors très très fin. Un soir, au fond d'un puits, il voit un fromage. Mmh. Il se penche pour l'attraper. Il se penche. Et plouf, il tombe dans l'eau. Il s'aperçoit alors que le fromage... Patatras, voilà le seau. Il s'aperçoit donc que le fromage n'était que le reflet de la lune. Il est furieux, il est trompé, il a froid et il ne sait pas comment remonter. Ah, du bruit! Là-haut, quelqu'un s'approche. C'est un cochon! Qu'est-ce que tu fais là? S'étonne le cochon. Eh, je suis bien ici, il fait frais et tout et tout. Et il y a un gros fromage, tu peux venir si tu veux. Oui, mais comment je descends? Tu t'accroches à la corde, dit le loup. Mmh. Hop, le cochon descend. Et hop, le loup. On monte. Il va pouvoir attraper le cochon. Non, le cochon. Rat comme un cochon. Descend trop vite. Raté. Ah, le cochon! Dit le cochon qui s'aperçoit que le loup lui a menti. Le nom fromage n'était que le reflet de la lune. Il a froid et il est furieux. Comment remonter? Le temps passe. Il a de plus en plus froid et il est de plus en plus furieux. Le loup a disparu, la lune aussi. Il fait presque jour. Ah, du bruit! C'est un lapin, une famille de lapins. Ah ça, mais qu'est-ce que tu fais là? Demande le père lapin. Eh, je suis bien ici, je nage, je plonge, je m'amuse beaucoup, mais je m'en vais. Car comme dans tous les puits à carottes, il y fait trop chaud. Un puits à quoi? S'exclame le lapin. Un puits à carottes? Et où le cochon? Comment descend-on? Pour descendre dans un puits à carottes, monsieur le lapin, on prend le seau. S'énerve le cochon. Hop, les lapins descendent. Et hop, le cochon remonte. Bon appétit, dit le cochon. Et attention à l'indigestion. Brûlé lapin froid, il claque des dents et pas une seule carotte habituellement. Il remonte, mais pas très très haut. Ah, de bas. Oh, c'est un loup, le loup du début, celui qui avait très très faim. Hihi, qu'est-ce que vous faites là? Ricane le loup. Oh là là, tu ne peux pas savoir comme on est bien ici. Taratata, c'est ça, il se paraît qu'il y a un gros fromage, hein? Rétorque le loup, qui n'en peut plus tellement il rit. Non, il n'y a pas de fromage, mais il y a plein de lapins à manger. Répond finement le père lapin. Tu n'aimes plus ça? Mais si, s'exclame le loup, qui oublie en toute prudence, saisit la corde et se jette dans le puits. Ça y est, les lapins remontent.
Le loup essaye d'en attraper un au passage, mais trop pressé, il descend trop vite, beaucoup plus vite qu'il le voudrait. Raté! Plouf, fait le loup en tombant dans l'eau. Ouf, font les lapins en arrivant là-haut. Et boum, fait le saut. Et ouf, fait le loup.